Récemment, à l'occasion d'Adobe Max, Lightroom a eu le droit à sa plus grosse mise à jour depuis plusieurs années. On a eu plein de nouvelles fonctionnalités et surtout l'apparition de ce nouveau mode HDR. Donc un nouveau mode de retouche et d'affichage HDR directement intégré dans Lightroom. Dans cette vidéo, moi je vais vous expliquer ce que le HDR est et n'est pas. Et dans un second temps, je vais vous expliquer quel est le bon workflow et pourquoi vous devriez très vite vous intéresser au HDR et pourquoi c'est l'avenir de la retouche photo. Avant tout, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Elle n'est pas en partenariat avec Adobe, je ne suis pas payé pour la faire. Vous savez que je suis ambassadeur Adobe, mais cette vidéo-là, c'est tout simplement une vidéo que je vous fais. Évidemment, j'ai fait appel à eux. J'ai eu un call avec Stéphane Baril, un expert produit de chez Adobe, qui m'a bien reformé sur toutes ces mises à jour et sur toutes les implications que ça avait. Mais en tout cas, ils m'ont juste aidé pour récolter les informations. C'est en aucun cas une pub ou un partenariat déguisé. Merci, du coup, à Stéphane Baril et à Adobe France, en tout cas, de m'avoir fourni les informations et de m'avoir aiguillé sur la compréhension de toutes ces notions qui sont quand même extraordinairement complexe des fois, sauf quand vous regardez cette vidéo, puisque moi je vais vous simplifier tout ça. Donc désolé, mais je suis obligé de reprendre un petit peu les bases. Qu'est-ce que c'est que le HDR? High Dynamic Range, une grande plage dynamique. La plage dynamique, c'est l'écart que vous avez entre le point le plus sombre et le point le plus clair sur une image. C'est très très important parce que par exemple quand vous êtes sur un smartphone qui a une plage dynamique limitée, vous allez filmer en extérieur et souvent avoir un ciel qui est trop clair ou blanc parce que ça va exposer pour votre sujet, pour que lui il ait une teinte de peau qui soit juste. À l'inverse, vous filmez dans un endroit un peu trop sombre, tout ce qui est très sombre va juste être noir, vous allez rien voir alors que pourtant votre œil voit ça. Il faut savoir que les caméras sont très limitées là-dessus. Alors d'année en année, il y a des améliorations et on gagne des stops, donc l'unité de mesure d'exposition en gros, pour augmenter cette plage dynamique. C'est d'ailleurs en général pour ça que vous payez les capteurs premium de caméras de cinéma, parce que leur plage dynamique est colossale. Donc tout ça, c'est dans le cas d'un appareil photo ou d'une caméra vidéo, donc à la capture, mais à la restitution, c'est important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à l'affichage, en gros, sur votre télé, sur vos écrans. Le fait d'avoir de l'HDR, ça va vous permettre de voir des noirs beaucoup plus foncés, des noirs dits purs, et des blancs beaucoup plus clairs. Regardez sur votre télé ou sur votre écran, si vous avez un mode HDR, allez sur des vidéos en HDR, et vous allez voir que c'est très clair souvent. L'avantage de ça, c'est que ça permet de se rapprocher de la vision de l'œil humain, qui a une très grande plage dynamique. J'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui parle du problème que soulève cette nouveauté HDR. J'en parlerai après de ce problème de preset. Plein de gens ont commenté, oui mais le HDR ça sert à rien, oui mais le HDR ça existait déjà, et alors là les gens ont tout faux, ou en tout cas presque faux, c'est pas exactement ça, de ça dont on parle. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça désignait d'utiliser le HDR dans Lightroom? Le HDR c'était d'utiliser la fusion HDR, donc d'utiliser une image exposée correctement, une image sous-exposée et une image surexposée. On fusionne tout ça et du coup on prend les détails des hautes lumières de l'image sous-ex et les détails des basses lumières de l'image sur-ex, comme ça on a une très grande plage dynamique. Et ça nous faisait une fusion HDR en 32 bits. Ok, donc ça va être la partie un tout petit peu compliquée, mais vous inquiétez pas, on va faire court. Quand on parle de bits en photo, il faut bien faire gaffe à séparer les bits par couleur et les bits par pixel. Je vais faire simple, vous savez qu'un pixel c'est composé de trois couleurs, rouge, vert, bleu. Quand on parle de bits par pixel, on parle du nombre de bits utilisés pour coder ces trois couleurs. Quand on parle de bits par chaîne ou bits par couche, on parle du nombre de bits utilisés pour chacune de ces couleurs. Par exemple, quand on parle de 8 bits, 8 bits par couche, on va être encodé donc sur 24 bits, parce que 3 x 8. Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de couleurs qu'il est possible d'utiliser grâce à ça. Donc par exemple, quand on est en 8 bits par couche, on est donc en 24 bits par pixel, le calcul va être de faire 2 puissance 24, ça va nous donner 16 millions de couleurs. Quand on est en 16 bits, ça veut dire qu'on est en 48 bits par pixel, 2 puissance 48, on peut afficher, gérer 281 000 milliards de couleurs. Pour que vous compreniez bien, ça veut dire qu'en 32 bits, on est en 96 bits par pixel, ça veut dire qu'on est à 7,9 x 10 puissance 28 couleurs possible de gérer. Ça veut dire 7 avec 28 zéros derrière. C'est le nombre de couleurs que vous pouvez afficher. C'est bon, c'est la fin de la partie compliquée. Et là, vous avez juste envie de me répondre, mais Hugo, qu'est-ce que j'en ai à cirer d'afficher des milliards de milliards de milliards de couleurs? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans Lightroom? C'est qu'on peut afficher beaucoup plus de nits dans Lightroom parce qu'on encode beaucoup plus de couleurs. Jusque-là, c'était géré dans Lightroom, mais c'était affiché en SDR, Standard Dynamic Range, donc la plage dynamique standard que vous avez l'habitude de regarder. Sauf que maintenant, on peut afficher ces 32 bits de couleurs, on peut afficher toute cette plage de couleurs et de luminance sur votre écran. Et là, normalement, ceux qui s'y connaissent en couleurs vont me dire « Oui, mais attention, il y a un petit problème dans ce que tu dis. Tu parles de retoucher en HDR, mais pourtant aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, les navigateurs web, les pages web, la plupart d'entre elles sont toutes en
SDR, il y a très très peu de choses aujourd'hui qui prennent en charge le HDR. Même les télés, il n'y en a pas tant que ça qui sont en HDR. Il n'y a pas tant de gens qui ont des MacBooks très récents qui ont des écrans HDR. La plupart des gens ont encore du SDR partout. Alors ce n'est pas vrai, il y a énormément d'utilité même si on veut exporter en SDR, mais j'en parlerai après. Mais en tout cas, vous avez raison. Oui, aujourd'hui, il y a peu de choses, ou en tout cas, tout le monde n'a pas accès à du HDR. On n'a pas tous les écrans, on n'a pas toutes les plateformes. Aujourd'hui, vous postez une photo sur Instagram, elle est en SDR. Mais c'est pour bientôt, parce que regardez sur Instagram, les vidéos en HDR sont disponibles. Vous pouvez regarder des vidéos en HDR. Et pour ceux qui se disent « Ah, mais comment je le sais ?» Quand vous êtes de nuit, par exemple, et que vous scrollez dans le noir, et qu'à un moment, il y a une vidéo qui vous explose les rétines, elle est en HDR. Donc oui, aujourd'hui, si vous retouchez en HDR dans Lightroom, vous allez exporter en SDR. Si vous mettez ça, par exemple, sur Instagram ou sur un site. Mais c'est pas grave. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que c'est toujours bien d'être future-proof. Et là, vous avez envie de me dire, oui, mais là, je vais retoucher du HDR pour exporter du SDR. Oui, mais il y a un bouton dans Lightroom, afficher SDR, qui vous permet de voir la vraie plage dynamique, comme ça va être, par exemple, sur Instagram. Et la deuxième raison pour laquelle vous voulez faire ça, c'est que manipuler votre image en 32 bits et afficher ces 32 bits et afficher cette grande plage de luminance vous permet des retouches qui sont bien plus précise. Alors l'idéal, c'est d'avoir une image déjà en 32 bits, donc en utilisant par exemple la Fusion HDR, parce que les images qui sortent de vos boîtiers maintenant ne sont pas en 32 bits, mais c'est pas grave. Vous avez tellement plus de plages de luminance et tellement plus de nuances de couleurs que vous allez réussir à avoir des retouches bien plus précises. J'ai énormément expérimenté là-dessus et j'apprécie beaucoup plus mes photos exportées en SDR que j'ai retouché en HDR parce que je les ai juste vues vachement mieux en fait. Pour résumer, si vous devez juste retenir un truc de cette vidéo, c'est que vous allez mieux voir toutes vos couleurs et toutes vos tonalités dans votre image. Donc qu'est-ce que je vous conseille de faire moi comme workflow? Avant toute chose, vérifiez que votre écran est bien capable de gérer le HDR. Les MacBooks très récents ont du HDR. Certains moniteurs de gaming, par exemple, le proposent, même si il n'est pas forcément top. Si votre écran n'affiche pas le HDR, vous pouvez déclencher tout le HDR que vous voulez en partie logicielle, ça ne l'affichera pas. Et ça va juste cramer votre image complètement. Ce sera horrible. D'importer vos images comme d'habitude, d'activer le bouton HDR, ou alors d'aller dans vos préférences et l'activer par défaut si vous voulez que ce soit sur toutes vos photos. C'est vous qui voyez. Et ensuite, retoucher la photo affichée en HDR, où je vois toutes ces nuances, où je vois la luminance maximum. Et à l'export, au moment de l'export, je vais cliquer sur afficher SDR pour pouvoir voir mon image comme elle va apparaître sur Instagram. Et là, normalement, je me retrouve avec une image qui est très très sympa, qui a été retouchée avec un peu plus de précision et avec un petit peu plus de facilité dans la manipulation des couleurs. Maintenant, faites attention à un petit truc, je l'ai dit dans le post réseau social que j'ai fait, c'est que tous les presets qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui ne sont plus compatibles avec ce mode HDR. Alors, c'est pas qu'ils sont plus compatibles, c'est qu'ils présentent tous, en tout cas très souvent, une erreur, c'est que ça va couder dans les hautes lumières de la courbe. Ça va avoir deux effets, c'est que ça va casser complètement la luminance de nos tons les plus clairs, et ça va aussi, parfois, en fonction de si c'est coudé dans des chaînes de couleurs, bah juste introduire des teintes très prononcées dans ces très très hautes lumières. J'ai aussi précisé que tous ceux qui possèdent mes presets ou qui comptent les acheter, vous allez les recevoir en HDR, soit maintenant, soit plus tard par mail, en tout cas, tout va être mis à jour sans souci. Le premier pack de presets HDR, salut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout faites-moi un retour sur vos retouches HDR, montrez-moi ce que vous avez pu en faire, ça m'intéresse énormément et comme d'habitude, moi je vous dis bisous.